What's up les gars, c'est Selmo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de présentation de toutes mes teams. Donc là, je vais vous présenter d'abord ma team Jap. J'ai le Yuga Gauthier. Voilà, j'ai monté son style foudroyant S30, dribble A10, tacle A20 et interception du tigre B60. Donc c'est pas mal. Moi je trouve c'est pas mal parce qu'il peut mettre le trouble dans l'adversaire quoi, s'il choisit une passe ou un time, un dribble, tu vois. Donc c'est pas mal, ça peut semer le doute chez l'adversaire. Ensuite j'ai le Shenita rouge. Alors j'ai son tir du faucon niveau 9, voler sauter du faucon bah, du pied gauche niveau 1. Passe du faucon niveau 7 et dribble grande vitesse et tacle à grande vitesse. S. Donc voilà. Ensuite, on a le Tsubasa Gauthier. Bon, je n'ai pas encore animé de break, hein, mais je n'ai pas assez de sac. Voilà, on a le tir aérien, on a le Golden Duo S, et passe A et l'interception A. Donc, je lui mets une interception. Donc, j'hésite à lui mettre un dribble ou un tacle. Je ne sais pas trop. Je regarde. Justement, tiens. Oh, pourquoi pas pour le tacle? Ouais. Ensuite, j'ai le Taro Misaki World Cup. Donc ouais, il est pas mal. Il est bon en passe, mais c'est tout. En tir, il est bidon. Faut pas tirer avec lui, t'es sûr, mais avec un arrêt, le gardien, il l'arrête. Donc voilà, je lui ai mis son interception A80. Après, là, le tir coup de gazon niveau 10. Golden Duo niveau 6. Passe magnifique niveau A, enfin niveau 4A. Et dribble classe mondiale C40. Donc voilà. Je ne me suis pas trop pris la tête avec lui, je l'ai pas trop monté, donc voilà. Je vais attendre d'avoir un meilleur. Et le Shingod. Le Shingod. Donc voilà, son Shingod. Le Shingod, je l'ai monté. Sa spé, je l'ai monté à 55. Donc c'est pas mal. Après, j'ai mis l'interception X à 80. Le Golden Trio, ça je le garde parce que c'est magnifique. Ça passe crème. Ça passe direct le terrain. C'est sûr et certain, c'est très très dur à intercepter. Ensuite, je lui mets un tacle A et un dribble S que j'avais un doublon. Je l'ai pété. Donc voilà. Ensuite, on a le Mizuki Gauthier. Il a son contre S à 24. Ça passe à 6. Interception, je lui ai mis à 45 pour l'instant. Ça entraîne en cours de montage. Le tacle, par contre j'hésite à enlever le tacle S parce que je pense que le tacle C lui suffit. Non, même pas, tiens. Ouais, je sais pas, faut que je demande ça à mon pote, mais sinon je pense enlever le S. Donc ça suffit le S. Donc bon, bref. Ensuite, on a Matsuyama Gauthier qui a 10% avec Mizuki dans la même équipe. Donc c'est pas mal, en plus c'est un vert, donc voilà. Il a son tacle S, il a sa passe de l'aigle, son attaque avalanche, tacle de l'aigle, interception. Bon, lui je me suis pas trop j'ai pas trop je me suis pas trop en occupé, mais ça va venir plus tard. Ensuite j'ai le Akai, très 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 bon intercepteur. Donc lui aussi j'ai pas eu trop le time de m'en occuper, mais c'est en cours. Donc voilà, tout est à part le contre de l'épaule qui est le B60, sinon le reste c'est tout ce niveau 1. Ensuite, on a le Ryo Ishizaki, gros. Cette carte-là, heureusement que j'ai chopé. Donc bref, il a. Je vais rien monter encore. Tout est SP1. Donc tout est niveau 1. J'ai rien monté. Donc ensuite, on a le Jito Gauthier. J'ai pas encore monté, mais bon, ça va venir. Lui j'hésite à lui mettre une passe, non pas une passe, un tir, ouais je sais pas. Donc là je suis en train de réfléchir à ce que je vais lui mettre plus tard, mais voilà, sinon c'est ça. Par contre voilà, en gardien j'ai le Genzo Wakabayashi, il me semble c'est junior, non? Ouais, donc voilà. Bon, je l'ai pas mis encore à fond celui-là parce que j'ai pas eu trop le time. Mais le défaut de ma jab, c'est le gardien. Mais sinon, il fait le taf, hein. Il fait le taf, des fois, il arrête des beaux tirs. Donc ça va. Ensuite, en remplaçant, j'ai Roberto.
Roberto, bon, qui donne. Attends, je vais vous dire ça tout de suite. Tac, tac, tac. Il donne. Non, compétence d'équipe. Il donne 13% sud-américain. Il donne 13% sud-américain et ou joueur japonais. Tout paramètre 7%. Donc c'est pas mal. Donc voilà. Si je peux claquer, si je peux le mettre à deuxième mi-temps ou quoi, c'est pas mal. Ensuite, on a le Yumikura. Voilà, le Yumikura. Que j'ai pas trop monté aussi. Bon, enfin, j'ai monté sa passe, ses 40 et son interception. Son interception B60. Sinon, le reste, ça reste normal, quoi. Niveau bas. Ensuite, j'ai le Sorimashi. Sorimashi qui va me servir pour mon event Shingo. J'attends de le monter aussi celui-là et il va m'aider. Donc il est pas mal. Il gagne plus 30% dans la surface de réparation, donc c'est vraiment fort. En plus il a une tête plongeante, donc c'est parfait. Et voilà. Donc après je l'ai pas monté non plus. Ensuite j'ai le Izawa. Il est pas mal Izawa. J'ai monté son tir. Bon, c'était il y a 2 mois je crois, j'avais monté et donné des ballons SSR pour. Il y avait un event exprès je pense. Donc je lui ai claqué les ballons. Une interception, je l'ai montré à S13. J'ai eu le chinois qui avait l'interception S niveau 10 dans le ticket poisson d'avril, donc autant claquer, j'ai claqué sur lui. Le gros tacle en cours, passe précise et je lui mets une tête plongeante, donc voilà. Ensuite, le Salinas, j'ai galéré avec ce blabla. Salinas World Cup, dit le gardien miraculeux. Donc je l'ai pas trop monté, là je suis en cours, en ce moment le plus que je suis en train de monter sa spé c'est lui. Donc parce que sur ma team bleue il fait le taf et faut que je monte sa spé S quoi. Sinon voilà ses stats. Que dire, c'est un très très bon gardien. Ensuite on passe à ma team rouge. Bon bah le Shenita que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai le Schneider Gauthier qui est pas mal, qui est en cours de montage aussi. Donc voilà, il a une interception, il a une passe, un tackle C, une passe A et un dribble A. Donc voilà, pas mal. Ensuite, j'ai le Taro Misaki rouge. Bon, il fait le taf, mais pas... Ouais, non. En fait, il fait pas le taf du tout. Je ne l'ai pas encore monté, mais il va faire le taf plus tard, mais je ne l'ai pas encore monté. Mais si je pouvais choper le Gauthier, clairement, ça prend clairement sa place. Donc voilà. Ensuite j'ai le Tsubasa des collèges qui est pas mal. Bon je l'ai pas encore monté aussi, enfin son potentiel. Et je l'ai pas encore allé B non plus, mais voilà. Sinon il est très 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 casse-couille. Il est très casse-couille, je vous le dis franchement, quand vous l'avez en face il est très 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 casse-couille. Donc voilà, je suis en cours de montage aussi. Ensuite on passe à Kaz. Kaz qui est très 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 bon en interception. Il a une interception automatique qui peut s'activer. Il a une probabilité de 70% il me semble. Donc c'est pas mal. En plus ça use aucune endurance, donc c'est ça qui est vraiment bien. Donc je l'ai mis S11. Voilà. C'est en cours de montage. Ensuite on passe à Soda. Soda Junior. Tacle je l'ai pas monté, son tir je l'ai pas monté aussi, son contre je commence à monter. Bah, en fait quand j'ai des SR, quand j'ai des SR je le monte quoi. Sinon voilà. Ensuite on passe à Ishizaki World Cup, son contre toujours, bah je suis en train de monter son contre. Enfin, en fait moi je monte les contres de ces cartes là quand il y a l'event en fait. Quand il propose, sinon je donne pas des ballons, parce que c'est pas vraiment important. Enfin c'est important mais il y a plus important à mes yeux. Donc voilà. Ensuite l'interception que je claque quand j'ai des SR. Et voilà. Contre du visage S niveau 2. Contre du visage. Bon par contre faut que j'enlève le A. Il faut que je mette un tir ou une grosse passe ou je sais pas. Et sinon voilà le contre gros tacle A80. Ensuite on a le Galvan. Le Galvan il est un peu dépassé. Ouais, malheureusement, mais bon, il fait quand même le taf, mais il est un peu dépassé, je trouve. Donc là, son contre, je l'ai pas monté, son interception non plus, et son tacle, quand j'ai des SR, je claque. Contre, pareil, voilà. Ensuite, on passe au remplaçant. J'ai le Carlos Santana, qui est très, 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 très fort. Qui a 30% de
d'intensité quand il a toute sa stam. En gros, quand tu tires une frappe, bah il a plus 30% de puissance. En gros. Entre guillemets. Donc c'est très très violent. Voilà, en cours. Bon, je l'ai monté son interception roulante X à 80. Et voilà, le reste, quand je chope du ticket SR, je claque quoi. Ensuite, on a le Inno Rouge. Et je l'ai monté son tir niveau 7. Voilà, et son dribble sud-américain. Je préfère le claquer à Roberto, tu vois. Parce qu'au début, quand il n'y avait pas Roberto, je claquais sur lui. Mais maintenant que j'ai Roberto, je claque à Roberto. Voilà, la passe du dragon. Donc, je m'en occupe pas trop de ce joueur-là, mais je sais qu'un jour il va faire le taf. Il va me servir, mais pour l'instant, non. Ensuite, on a Kazuo. Bon, je m'en sers pas trop parce que déjà, il manque son frère. Et tout seul, il sert à rien. Je peux rien faire tout seul, donc voilà. Je m'en occupe pas. Mais je sais que si j'ai son frère, il peut faire du sale. Ensuite, on a le Brian Crawford. Lui, il est en cours de LB. Donc voilà. Je m'en occupe quand je chope des interceptions, des trucs faciles à donner quoi, un ticket SR. Donc voilà. Ensuite on a le Müller. Bon, j'ai pas encore monté mais ça va venir. Donc voilà. Je lui ai mis arrêt du mou. Bon, il a déjà son arrêt de base à 21. Et voilà. À 51, à C40 et à 11. Donc voilà. Pour ma team rouge, on va passer à la team bleue. Ma team bleue, le Carlos Santana World Cup. Donc il a sa retournée. J'aurais dû augmenter déjà sa retournée, mais j'ai fait le con. J'ai tout claqué sur les tirs. En fait, il gagne plus 20% d'intensité quand il a un ballon haut ou bas, je me semble. Je me rappelle plus trop. Voilà. Et j'aurais dû augmenter en fait. Bah, sa retournée en fait. Bon, bref, c'est pas grave. Sinon là le tir enfin le tir S10, l'interception roulante à 80, le tir aigle doré à rase, enfin le tir B à 60, enfin B60 pardon. Et le Santana Turn à 9. Donc voilà, après là on a le. Bon, ça je vous l'ai montré dans ma team Jap. Ensuite on a Shunita Gauthier. Voilà. Je n'ai pas trop monté mais bon, ça va venir plus tard. Ensuite ça je vous ai montré, le Roberto je vous ai montré, ça je vous ai montré, le Gito je vous ai montré. Le Casagrande qui est très 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 casse-couille quand vous l'avez en face, parce que même si vous lui claquez un dribble avec son contre il vous la chope. Donc, moi ça m'est arrivé perso souvent, donc voilà. Sinon voilà il est en cours aussi, donc là j'attends son event pour claquer, enfin son event. Deux ballons air histoire de claquer ou non, quatre ballons air justement, ouais, quatre ballons air, et je le claque sur son tacle. Donc voilà. Ensuite on a le Marc. Le Marc, bon, il me sert mais c'est une passoire, il laisse tout passer quoi. Donc voilà, c'est pas top top mais bon, c'est mieux que rien. Ensuite on a le Schneider, je le garde. Moi je suis sûr ce Schneider là, un de ces quatre ils vont lui mettre un éveil potentiel, tu verras. Et lui, je pense que ce Schneider là, il va revenir mais d'une force. Je le sens comme. Je le sens. Je le sens. Je le sens qu'il va revenir. Je suis sûr et certain qu'il va revenir. Donc voilà, je le garde. On sait jamais si un de ces quatre il claque l'éveil. Ensuite, ça c'est le Akai. Que je garde pour la passe. Enfin, pour tous ces trucs, parce qu'il me sert à rien en fait. Je le garde pour la passe, pour le claquer à mon Akai vert. Mais voilà, son tacle aussi c'est pareil. Si je peux claquer un autre Akai plus fort, je garde, on sait jamais. Ensuite on a Diaz qui a 10% je crois. Il me semble 10% avec Tsubasa dans la même équipe. Donc voilà. Je m'en occupe pas trop mais voilà. Bon après j'ai lui mais parce qu'il me manque des défenseurs dans la team verte. Enfin dans la team bleue pardon. On sait jamais quoi. Et ensuite on a le Ricardo Espada, le gardien le plus guidé du jeu. Ouais. Je le garde parce que c'est un gardien bleu, donc voilà. Mais sinon il me sert à rien. Donc on va passer à ma dernière team, la team verte. Ensuite on a dans la team verte, pardon, hop, on a le Naturezza qui a, il me semble, 15%. 15% de paramètres en plus avec Carlos Santana dans la même équipe. Très très fort.
Donc lui, il est pas mal monté. J'ai son tir de la feuille morte niveau 67. Non, il est très très bien monté. Lui, il va être le plus que je monte bien, c'est lui. Non, Team Bert. Ensuite, on a le Santana. le Santana Gauthier. Qui fait mal, mais mal, très très mal. Il est très 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 fort. Dommage que son tir a pas d'effet spécial, mais sinon il fait mal. Donc voilà, son tir c'est S8, Dream Duo Brésil A17, frappe. Je suis en train de monter aussi. Si je claque un ballon ou deux, si je peux claquer un ballon ou deux SR, je claque des fois à sa volée. Volée basse. Ou volée... Ouais, c'est une volée basse, je crois ça. Je le claque parce qu'il est pas mal. Ça. Donc je lui mets une passe B60 et un Santana turn. Santana turn A3. Enfin A3 pardon. Ensuite, ça je vous ai montré, Zawa. On a le Tsubasa World Cup qui est, il me semble, un tueur anti-japonais, tueur de joueurs non japonais. Face aux joueurs non japonais, paramètre plus 10%. Bon, c'est pas mal, c'est mieux que rien. Donc, si le gardien est un peu fatigué ou quoi, il peut faire la différence. Donc voilà. Pas mal, il est pas mal. Non, franchement, il est pas mal. Donc en plus, c'est un vert et voilà. Il s'arrange bien avec mon Tarou Misaki. J'ai le Tarou Misaki qui est pas encore monté, mais quand je vais le monter, il va piquer. Il va très 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 piquer. Quand il a Tsubasa dans la même équipe, paramètre plus 20%. C'est très très fort. Franchement, un des meilleurs. C'est le meilleur Misaki vert. C'est le meilleur. À mes yeux. Après, je sais pas s'il y a des autres. Mais... Ensuite, on a le Shingo Gauthier. Assez polyvalent. Assez polyvalent, très bon en dribble, très bon en passe, très bon en tacle, en interception, assez polyvalent. Donc voilà. Après, je vous ai montré ceux-là, vous les avez déjà vu dans ma team Jap. Il me semble, ouais. Et le Zino Hernandez dit le poignet fracturé. Parce que ce gardien là, c'est un fracturé du poignet. Non mais, il laisse tout passer. Mais bon, j'ai pas d'autres gardiens, donc je suis obligé de le prendre, tu vois. Donc voilà. Ensuite, on a le Yuga vert, qui est pas mal. Je l'ai pas monté, mais qui est pas mal. Qui a quoi déjà, il me semble, courage. Tant qu'il reste au moins un d'endurance, qui utilise un DTS avec leur intensité normale, est possible. Donc oui, pourquoi pas. Bon, sa compétence d'équipe, elle est pas trop folle. Ensuite, sort une machine, je vous ai montré. On a Urabe qui est pas mal pour la compétence d'équipe. Parce que moi je le mets MD tout paramètre 15% ou joueur de type technique tout paramètre 10%. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà. Ensuite on a le Xiao Jung. Ah, j'ai du mal avec son blague. Bon, on a Xiao. J'ai pas fini de monter mais je m'en occupe pas trop parce qu'il me. C'est pas ce que je joue actuellement, donc voilà. Mais sinon, il a une très bonne compétence. Attends, il me semble, hein. Compétence d'équipe, ouais. MD, défense, tout paramètre 15%. Ou joueur Asie, tout paramètre 7%. C'est pas négligeable. Et en compétence passive, paramètre plus 15% face au joueur japonais. Ah ouais, il peut très très. Il peut casser les couilles du japonais. Donc surtout en ce moment, c'est beaucoup Jap. Donc ouais, à jouer face à en PVP, c'est. Il peut faire du sale. Et on a le Kals que j'ai chopé dans la ticket. Bon, il a au moment d'un contre, il a 30% une probabilité d'activer sans user de stam, mais voilà. C'est mieux que rien, il est pas mal. Il fait le taf, donc voilà. Bon, c'est tout pour moi. Je vous ai présenté tout. Ah, non, je me trompe. Pardon. Ma box. Ma box, hein, voilà. Voilà. Je vous fais le tour, je vais pas vous détailler tous les joueurs. Parce que après ça va durer une éternité. Voilà, j'ai pas mal de joueurs en attente. Puis là, je suis en train de me faire. Enfin, j'attends qu'ils sortent un peu des gotiers européens. Pourquoi pas m'essayer une team européenne. Donc voilà. Je vous montre tout ça en deux spi. Voilà. Et après, voilà. Après le reste, c'était gratos, c'est pas intéressant. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et moi je vous dis à plus pour plus de vidéos. Ciao !